Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer l'avancement des travaux. Je t'emmène avec moi au Mexique voir l'avancement. Je t'ai fait une vidéo la dernière fois, d'ailleurs je te mets le lien juste là si t'as pas vu la première partie de la rénovation de mon appartement que j'ai acheté au Mexique à Playa del Carmen exactement, et c'est complètement parti en live avec l'artisan. Ça fait 6 mois que ça dure, il avait une cuisine et 2 salles de bain à changer et ça traîne. Donc je suis venu sur place, ça fait 6 jours que je suis là et je t'emmène dans cette vidéo faire le tour de ce qui a été fait. Let's go. Ok, allez, c'est parti, je t'emmène dans l'appartement et du coup je vais retourner la caméra, tu verras mieux. Voici donc la piscine qui est là et on passe par là pour arriver à l'appartement. C'est cette terrasse là. Les ouvriers viennent de partir, ils viennent de terminer la journée. Et là, j'ai les femmes de ménage qui sont là, voilà, qui viennent de terminer le ménage. D'ailleurs, tiens, je vais les payer et je continue la vidéo. En 6 jours, il y a pas mal de choses qui ont changé. Bon, déjà, tu peux remarquer qu'il y a beaucoup moins de bordel dans la pièce principale. Et les portes qui ne sont pas encore installées. Alors, je voulais les peindre en gris avant de partir, mais je reste encore une semaine. Et je pense que je vais pas avoir le temps parce qu'il y a plein de petits détails à faire. Ce qui m'embête le plus, soit c'est ce genre de détails. Donc là, il vient de me faire un devis, l'artisan, pour 3 portes, refaire le bas. Il me demande 300 euros. Donc, je pense que c'est trop cher pour des prix mexicains. Et je pense que je vais essayer de trouver un système de baguette. Et voilà, donc ça, il faut que je réfléchisse encore. En tout cas, c'est propre, le carrelage a été changé, tout est uniformisé, ça c'est bien. Il y a ici, il manque un toilette. Là, il y a le trou dans le sol, la toilette n'est pas encore là. Si tu as suivi les stories sur Instagram, tu as vu qu'on a eu un problème. Dans cet évier, il y a toute la merde littéralement qui est sortie, je ne sais pas d'où c'est venu. Je ne comprends pas parce qu'ici, il n'y avait pas de toilette et ça n'a pas débordé. Mais en tout cas, par là, c'était franchement une catastrophe, je t'épargne les détails. Ici... qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont refait le sol de la douche. Alors ici, la particularité, c'est qu'ils ne mettent pas de receveur au Mexique. Ils installent directement le carrelage, mais vu que c'est les carreaux de 60-60, c'est un peu grand pour faire la pente. Ce n'est pas super évident. Ils ont recommencé une fois. Ils ont cassé, ils ont fait. Ils ont installé une nouvelle toilette. Je vais faire changer, bien sûr, la robinetterie. Dans cette chambre, demain, les rideaux vont être changés. Je vais également changer les moustiquaires. Tu vois, qui sont abîmés. Et je vais faire repeindre également demain les grilles extérieures. Quand on est au rez-de-chaussée, au Mexique, il y a des grilles. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, par mesure de sécurité. Sinon, la chambre est peinte en blanc, donc c'est plutôt propre. Ça, c'est pareil, c'est à régler et à repeindre ces portes-là. C'est pas super moderne, mais bon, j'optimise pour faire des choix. Parce que c'est la rentabilité qui prime. Ici, on a commandé un nouveau matelas, on a les parois de douche qui sont arrivées. Ça, c'est le canapé, du bordel. Et ici, un closet, deuxième salle de bain. Pareil, aujourd'hui, ils ont refait l'évacuation de la douche, la terrasse. Tous les meubles de terrasse, on va les jeter parce qu'ils sont vraiment vieux. L'appartement a été vendu comme ça. Il faut que je retrouve un salon de jardin pour faire quelque chose de sympa. Et voilà. Voici donc l'avancée des travaux. Au bout de 6 jours, tu vois, ça a quand même beaucoup changé. Il y a un artisan qui vient changer également demain les moustiquaires ici, changer les rideaux. J'ai racheté les nouveaux rideaux d'ailleurs qui sont là. Rideaux occultants, gris clair, bonne qualité. Et ça va vraiment changer l'aspect. On a acheté également un tapis, le canapé qui va venir là, et après ça il va manquer quelques tableaux. Il nous reste 6 jours pour terminer cette rénovation. Le but du jeu, on est au mois de mars, à Playa del Carmen, il y a encore beaucoup de demandes, il y a beaucoup de Canadiens qui sont là. Un appartement comme ça se loue 2 500 $ par mois, entre quasiment 3 000 $ en fonction des gens que tu as, et c'est un appartement que j'ai payé 150 000 $. Donc tu vois la rentabilité, je vais la calculer, mais elle est très très bonne. Alors après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que ça ne se loue pas à ces prix-là toute l'année, mais il y a de la demande locative toute l'année à des prix plus bas. Mais grosso modo, j'ai calculé, enfin c'est même pas que j'ai calculé, c'est que les voisins, eux, sans faire de revenu management, font à peu près 21 000 $, 22 000 $ de revenus à l'année avec exactement le même appartement. C'est-à-dire qu'en faisant un petit peu de revenu management, normalement, on va pouvoir vraiment optimiser ça et aller chercher 11%, j'ai calculé 11,5% de rentabilité. Voilà pour les infos, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous avez kiffé cette avancée de travaux. Abonnez-vous à la chaîne, mettez les clochettes pour avoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.